bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Kena Bridge of Spirit, le pont des esprits. Toujours, ça ne changera rien, dois-je le préciser, sur PlayStation 5 et on venait de battre un boss et honnêtement on lui a cassé la gueule mais on est quand même eu très très chaud, on va pas se mentir. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Installez-vous confortablement et c'est parti. Regardez-moi la qualité de ce soft incroyable. Même quand j'ai arrêté de marcher, j'ai cru que le jeu avait bugué. Alors que non, j'ai juste arrêté de marcher, il n'y avait plus d'animation. On aurait dit que c'était l'image était figée tellement elle est d'une propreté incroyable. Et Kena, vous êtes arrivé, je pense que nous avons trouvé Monsieur Russu. Russier ! Ok, bon. Bah écoutez, on peut y aller, j'ai envie de vous dire. Direction la suite. Oh ! Ah, il y aura peut-être un road dedans, non ? En dessous, peut-être, je ne sais pas. Non ? Ah, doit y avoir un bail, genre remettre tous les chats à l'endroit, je sais pas, tu vois. Il doit y avoir un petit truc comme ça, un petit truc un peu funky. Ok, là, il n'y a rien à faire. Oh, c'est magnifique, hein, le jeu, toujours aussi. Oh. Ah, mais c'est mon rêve doré, ça, c'est mon rêve doré. Oh là 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 là. Là, je kifferais avoir un parapente et me balader comme ça. S'il vous plaît, pour Kena 2, faites un gigantesque open world. Le jeu est tellement beau, il mérite tellement... tellement sa grandiosité dans le monde du jeu vidéo, alors qu'il a déjà été extrêmement bien noté, hein, faut le savoir. Il a eu des 18, des 19 sur 20, donc de sacrées bonnes notes. Je rappelle que c'est un jeu indé. Hein. Hey, Mr. Russu, we've been looking for you. We brought our friend Kena. She's here to help Taro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro, and now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russu. There's a relic covered by the corruption at your house, but I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power.
C'était giga stylé. Essayez d'utiliser votre arc sur ces cibles lorsque vous aurez terminé. N'hésitez pas à vous entraîner dans les autres postes que j'ai mis en place. Ok. L de viser, évidemment, et R de tirer. Ça, c'est un classico del Madrido. Oh, la fluidité est incroyable. Ok, je peux tirer 3 flèches et ça en même temps. 4 flèches en même temps. Ok, 4 flèches en même temps jusqu'ici. Incroyable. Oh là 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 là. Le jeu est tellement beau. Back again. Vous êtes revenu? Je vais préparer un autre ensemble de ça. Ok. Très bien, bah c'est très fluide. Y'a aucun souci là-dessus. Can you pick that up? Très très bon ça. Ok. Et là, comme vous pouvez le voir. Quoi? Y'a quoi? Ouais, y'a rien. Là, comme vous pouvez le voir, y'a des sortes de cibles. La vache, la sensi par contre. Alors attendez, c'est des cibles ou pas? Ah, ok, le tuto commence maintenant, pardon. J'ai voulu m'y prendre peut-être un peu plus tôt, n'est-ce pas? Ok, c'est beau ça. Pas mal, d'autres défis vous attendent sur ce sommet. Ça ne s'arrête donc jamais. Ok, ok, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. En plus, c'est grave fluide et tout. J'adore. J'adore, ma chérie. Ok, qu'est-ce qu'il va me dire, le frérot? Tenez, vous ne devez gâcher aucun tir. Détruisez toutes les cibles pour progresser, il y a 3 niveaux de difficulté. Très bien. Très très bien. Alors là, je suis limité par le nombre de flèches que j'ai. Malheureusement, ça laisse un timing un peu trop. Et ben voilà, ça c'est fait. Ça y est, Bibiche. Choisissez vos coups avec soin. Tirez trop rapidement, épuisera l'énergie du bâton. Vous perdrez du temps à attendre qu'il recharge. D'accord, 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 d'accord. Là, j'ai toujours pris mon temps. Toujours chargé au maximum. Hélico, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a pas mal de nouveaux chapeaux ou pas, là? Non, à part le renard, toujours... Il est où mon hélico, les gars? Vas-y, j'achète, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Comme ça, on a un nouveau rod équipé. Direction la suite. Oh. Très, très bien. Mais ça fait beaucoup de fruits, ça, pour des petits rocs, non? Putain, ils sont gourmands, ceux-là. Oh, le petit malin! Regardez-moi où il était caché, celui-ci! Allez, rejoins-nous, mon pote! 15 sur 15! Niveau 2! Les rocs peuvent désormais effectuer plus d'actions. Très bon, ça. Tirez sur le tournicoco peint pour commencer. Et visez vite et touchez-les tous. C'est pas ça, de toute évidence. Ah, le pain, évidemment.
Et ben voilà. Et un autre. Il semble que vous ayez maîtrisé cet exercice. Bien sûr que j'ai maîtrisé cet exercice. D'accord, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ah. C'était plutôt cool. Ok. Ça, c'est fait. Bon, jusque-là, on est des machines. Ça, on lui a déjà parlé ici au ref. Oui, on l'a fait. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a quoi là-haut, là? Oh. Bibiche, ça me plaît, ça? Vous allez devoir faire preuve d'agilité cette fois-ci. Ça me parle. Suivez le chemin et touchez les 6 cibles avant le temps imparti. Ready, go. Ok. Très très bon. Parfait. La machine. Encore. Large, on est large. En vrai, on a large le temps de faire tout ça. Masque de Ruzu. Nouveau chapeau de Rod disponible. Bah oui, bah oui, bah oui, monsieur, s'il vous plaît. Oh non. Encore. Oh, stylé! En fait, quand tu sautes, ça ralentit. Ça ralentit le temps. Très très bon, ça me rappelle un peu Horizon. On va arrêter de faire que sauter aussi, on va pas abuser. J'ai même battu mon propre record. Et ben c'est très très bien ça. Malheureusement ça. Non, on peut rien faire là-dessus non plus. On continue. Suite de nos aventures. Alors, il y a quoi d'autre sur ce flanc de montagne? Des manifestations de la corruption patrouillent le chemin devant. Votre arc devrait vous aider à dégager la voie. Ah ouais? Ah. Bien ça, d'accord, j'ai compris, ok. Donc maintenant, il va y avoir des corruptions qui vous tirent dessus de loin. Très bon ça. Bien joué, t'as été le meilleur. Toi, t'es un salopard, toi. Ça dégage. Boum! Ah non. Je disais... Boum! Je disais... Boum! Et ben voilà une bonne chose de faite. Oh, c'est trop stylé! Allez, remettez tous les champs en place, les gars, d'accord? On déconne pas, là, hein. Oh, regardez. Je sais pas, c'est des chats? Non, c'est pas des chats, non, c'est des renards. Je dirais des renards, en vrai. Ok. Une bonne chose de faite, franchement. J'ai envie de vous dire, on déchire, là. On déchire. Allez, on continue. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, j'ai essayé un move. Faut pas m'en vouloir. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon ref? Ce chemin rompu mène à ma demeure. La corruption est très puissante. Faites attention, Kenna. Alors, je suis d'accord avec toi, mon ref. On va faire attention, mais là, ça me ture Lupine énormément. Ok, j'ai improvisé un move, hein. J'étais en panique. Lieu de méditation découvert, reposez-vous et recentrez-vous pour augmenter définitivement votre santé maximum. Mais non. Let's go, méditation.
Ah ouais. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Ok, une bonne chose de fait. On peut y aller. Direction donc la suite de nos aventures. Heureusement que j'ai fait un petit demi-tour parce que je suis sûr il y en a. Ils auraient malheureusement loupé ça. Ok, go. Go, go, go. Très bien ça. Très bien, pour un petit coffre, mais un coffre on prend mon pote. Un coffre c'est un coffre. Oh je kiffe. C'est d'une fluidité tellement exemplaire. Incroyable. Ok, bon là on commence à rentrer en terres hostiles. Là, je pense qu'on va tous se battre. Coco. Mort. Ok. J'aurais dû le garder. Ça c'est fait. Allez, un boss. On voit ses points faibles, je pense. Je suppose que c'est les pustules jaunes. Hop, une en moins. What? C'était quoi ça, frère? Oh non, je vais mourir. Quelle vie. Quelle vie, les potes. Quelle vie, les potes. J'ai eu tellement chaud. Ok. Allez, go. Wow. Oh non, le retour. Non, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort, le man. Wow. Oh non, il a éclaté mes rottes. Non, beaucoup trop fort. Waouh. Il m'a éclaté la gueule. Non mais voilà, il y a des choses à dire, il m'a éclaté la gueule. Si je m'étais laissé une petite fleur, j'aurais pu faire quelque chose. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ok, j'ai déjà fait ça, ça veut dire? Ok, j'ai déjà tout ouvert. Donc pas de soucis là-dessus. On peut continuer à ride. Bon, première mort dans le jeu, épisode 4, c'est plutôt convenable. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Allez, on est parti. Oh, cette fois-ci, j'ai compris, on va se garder les fleurs, vous inquiétez pas. Hop, on va passer, on a déjà vu. Allez! Ok, viens là, petit coquelicot. Alors, vous avez sûrement vu une micro-coupure, et il y en a de temps en temps. Bah quand il y a une micro-coupure, c'est que je reçois du courrier. C'est la poste qui sonne, évidemment. Et ça m'a coûté cher, là. Ça m'a coûté cher, le colis. Allez, on est parti. Ok. Ok.
Wouah! Vraiment, ça commence comme ça, là? Ok. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Ok. Esquive, ça s'est fait dans les règles de l'art. Oh là là, c'est pas vrai. Allez, on y va. C'est pas grave. On y est presque. Wouh! Ok. Oh là là. Oh là, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Mort. Beaucoup trop fort, mais mort, mon pote, parce que je suis encore beaucoup plus chaud. Bon, pas facile cette histoire, hein. Pas facile, hein. Ouh, ça a swingé, hein. Allez, on se barre. J'adore faire ce bruit à chaque fois que je rends à la nature sa verdoyance et sa verdure. Il aimait ces bois et j'ai fait de mon mieux pour lui apprendre les anciennes coutumes. Consommé par les problèmes de notre village, je n'étais pas présent pour Taro lorsqu'il avait le plus besoin de moi. J'espère que nous pourrions lui apporter la paix. Plus de reliques sont cachées dans la corruption qui recouvre la forêt oubliée. Je vous attendrai là-bas. Ok, relique découverte, le couteau de Taro. Très bien, très bien. La peur de Taro. Rencontrer Ruzu dans la forêt oubliée. Eh ben, merci, mon ref. Je viens de gagner Adéroth. Incroyable. Ok. Attends. Hop, on va ruiner le man chez lui. Alors, t'as quoi à voler, toi? Ah bah, c'est comme Zelda, on pique tout, hein. On a un appétit ici. Allez, régalez-vous. Voilà, régalez-vous et régalez-moi. On a quoi d'autre? Hop, et ça, régalez-vous. Ouais, on lui pète à tout, on en a rien à péter. Hein. Hop, ça, ouvre-moi ça là pour voir ce qu'il y a là-dedans là. Il cache quoi le frérot? Oh! Hop! Allez, 19 rottes! C'est incroyable le nombre de rottes qu'on commence à avoir! Ok, qu'est-ce qu'on a là? Non, 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 se lever. On peut changer de masque ou pas? Il me semble que j'avais un autre masque. Et ça, c'est le mode photo. Ok, on a encore des choses. Mais là, on vient de là-bas, nous. On vient d'ici et d'ailleurs. On vient de là, c'était même pullulé de tous les côtés, si je puis me permettre. Il n'y a plus rien là-haut? Attendez, ça me paraît beaucoup trop... étrange, hein? On vient de par là, nous, non? Il y a même des trucs en forêt. Souvenez-vous, il y avait un petit pot dans un arbre que j'avais essayé de fracasser, là. Il était où, celui-ci, alors? Le coquelicot, là? Regardez, on a... Oh! On a quelque chose ici. On a quelque chose ici. Ok. Très bien, fous-moi ça là-haut. Très bien. Oh là là, regardez comment il devient badass, mon bordel, là. Ah? Ah? Je savais pas, ça. D'accord, très bien. Pas compris ce que ça faisait.
Attends, on va faire en sorte qu'ils disparaissent. Qu'est-ce que ça fait un potager, mon ref, mais Ça a juste fait un potager. Des petits papillons, c'est sympa, on adore. On s'en jaillit ici, ok. Oh, les gars, on a failli louper celui-ci. C'était quoi? Ah? Ok. Bougez pas. Il y a un bail, mais où faut le mettre? J'en ai aucune. C'est un hibou. Ah, j'ai compris. J'ai compris. C'est ici. Voilà, mets-le là, mon frérot. Je sais pas du tout ce que ça va m'apporter. C'est la première fois qu'on fait ce genre de petits défis, de petites quêtes. Je pense que ça va m'apporter peut-être un rot, non? Ou beaucoup d'argent, mais genre vraiment beaucoup. Ok. C'était pas si ouf que ça en vrai, d'accord? Ça, on va pas se mytho. Je m'attendais peut-être à mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je lève beaucoup la... Oh, il y avait des trucs aussi ici. D'accord, très très bien. Très très bien. Oh! Attends. Ah non. Je croyais que c'était un panneau. Ok. Une, deux, et trois. Allez, bouffez ça. Bouffez ça. Ça sert à rien ce que je viens de faire, je pense. Ok. Putain, je pourrais me balader des heures ici. Hein. Je sais que vous voulez voir la suite de l'aventure, mais... Wouh, je suis mort. Non, parce que je suis beaucoup trop chaud. Je suis un guide des esprits ou pas? Allez, on remet ce chat droit. Ok, quoi? Attendez. Tendu un bruit chelou là-haut, là. Non, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est de la totale découverte. Hein. Encore une fois, je pense que ce jeu est la parfaite définition... d'un jeu d'aventure, littéralement. Ok, d'accord. Je me souviens... Ah ben non, je me souviens pas du tout de ça. Ok. Attends, il y avait quelque chose là-haut? Non, il y a rien. Non, juste attends. Non, ils ont juste mis du temps à graille. On a fait tout ça pour quoi, là? J'avoue, j'ai pas tout pigé. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oh non. Quel enfer. Bon, ça s'est pas ouvert. Je pensais que la fleur allait s'ouvrir. Mais pas du tout, que nenni. Bah alors, bibiche. Ah, d'accord, je vois. Je vois. C'est comme ça que tu le prends. Allez, c'est parti, fais un nouveau rot. Hop, on récupère. On traîne jamais pour rien par ici. Bon, je sais que vous êtes pas nombreux, hein, on va être franc, on va être totalement transparent à suivre, à aimer ce type d'aventure. Mais perso, je kiffe de ouf, les gars. Voilà, les gars, les filles, c'est tellement enchanteur, c'est littéralement, mais c'est une aventure en fait. Donc, laissez-moi kiffer, puis ceux qui aiment regarder, ceux qui n'aiment pas, bon, attendez Far Cry si vous l'attendez, évidemment. Mais en tout cas, moi, aucunement déçu d'avoir lancé cette petite aventure. En plus, on sait qu'elle va pas durer très très longtemps pour le coup. Qu'est-ce qu'on a là? On a une TP. J'aimerais bien savoir où je suis en vrai, pour le coup. J'aimerais bien savoir où je suis. Je suis dans les gorges. D'accord, ok. Et on a un chapeau. Bah, vous savez quoi? On va rentrer à pied et on va mettre fin à cet épisode au prochain Rot trouvé. Alors, on va toujours regarder parce que je sais qu'il y en avait un en l'air. Ah, d'accord, je me souviens très bien. Et ben voilà. Ce que, évidemment, je ne suis qu'une sombre merde. Ça paraissait si évident.
Là, il y a toujours de la corruption, mais rien à faire, si j'ai bien compris. Oh, regardez ce qu'on a là-haut. Ah, d'accord. Ok. C'est donc là. Nous devons trouver plus de reliques. Taro va-t-il s'en sortir? Tu penses que nous allons bientôt le revoir? D'accord, les trois reliques compléteront évidemment cette forêt. Allez, direction le ciel! Et on va... Oh, voilà, c'était peut-être ça que j'avais vu, non? Pas du tout. Pas du tout, je m'attendais à un petit peu mieux, je m'attendais à un rot dedans. Non, de toute évidence, il n'y a pas. Ok. Bah écoutez, attendez, parce que ça va peut-être nous emmener beaucoup plus loin que prévu cette histoire-là, non? Ça nous emmène dans un coin très sombre de cette forêt. Ah, bah on l'a notre dernier rot. Allez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, bien sûr. C'est la fin, les amis. On a retrouvé un nouveau rot, évidemment. Nous sommes à 20, je crois. 21, excusez-moi. J'ai arrêté de compter après 20. Nous sommes à 20 et nous avons retrouvé en plus de cela notre chemin. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette aventure vous fait toujours autant plaisir. Moi, en tout cas, sachez que je suis en plein kiff et j'espère que ça se ressent. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye.